Coucou les elfes, je suis super méga contente de vous retrouver pour la suite de I Am Future. Alors, ça fait un moment que j'avais pas publié de vidéo, en même temps c'était les vacances scolaires, j'ai profité un peu de mes enfants et de d'autres choses. Du coup, maintenant c'est reparti. L'épisode numéro 3 a dû sortir, je pense, il y a un jour ou deux, je sais pas trop. En tout cas, voici l'épisode numéro 4. On va essayer de se remettre dans le bain parce que ça fait un moment du coup que j'ai pas été sur le jeu et de continuer un petit peu notre aventure. Alors, déjà je sais qu'à la fin, il va falloir que je refasse à manger tout ça, il va falloir que je range un peu ce que j'ai sur moi. Et pendant que j'y pense, vous avez dû le voir dans l'épisode numéro 3 où j'ai eu un petit son bug. Du coup, une partie de la vidéo, bah, j'avais pas pu... vous mettre l'enregistrement initial, donc j'avais enregistré ma voix par-dessus. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me le dire si ça a été quand même. En tout cas, on y va, c'est parti. Alors, je vais ranger tout ce que j'ai sur moi. Enfin, en tout cas, essayer. Je vais mettre ça. Voilà. Très bien. Alors, si je devais faire à nouveau un petit résumé de ce qui s'est passé donc la dernière fois, j'ai fini de débloquer cette zone et encore des choses à récupérer, mais voilà. En haut, on a réussi à réparer la tour intelligente. Donc, il faudra qu'on se penche un petit peu dessus. Donc, on peut améliorer les modules. Donc, voilà, tout ce qu'il va falloir améliorer au fur et à mesure. Par exemple, voilà, il me faudra un transformateur parce que j'ai déjà une matrice si je veux faire un module décodeur. Ça veut dire quoi? La phase de piratage permet à la tour intelligente de décrypter le stockage numérique. En gros, elle pirate des trésors inconnus. Module de stockage méta-réseau, module mini-robot constructeur, mini-robot ingénieur. Oh, c'est trop bien! Est-ce que c'est des mini-robots qui viennent nous aider? Ça, ce serait trop cool. Ok. C'est cool. Après, on peut les faire dans l'ordre. Hein. Il faudra qu'on fasse un transformateur. On va voir si on le fait là. Ça, pour l'instant, bah, je peux pas. Je suppose que c'est un robot qui doit gérer ça. Voilà. Marteau simple nécessaire. J'ai pas de marteau, d'accord. Je croyais. Kid. Ok. Je me rappelais plus qu'il fallait faire ça, mais d'accord. Ok. Autant ramasser ça. Est-ce que je peux en prendre deux? Non. Des fois, je peux en prendre deux. Des fois, je peux en prendre qu'un, deux morceaux de bois. J'ai pas tout compris. Enfin, voilà. Hop, je vais ramener ça. Donc, autre chose aussi que je vous ai pas montré dans l'épisode 3. J'ai fabriqué de quoi poser mes planches et mes bouts de tôle. Donc, en attendant, le reste... On va poser ça là, voilà. Le reste, j'y pose là parce que j'ai pas assez de place. Mais voilà, j'ai voulu tester... les inventaires spéciaux pour le bois et la tôle. Il faut qu'on plante également une salade. Il faudra qu'on aille récupérer de l'eau. Alors, ce serait bien que je me fasse un vrai petit potager quelque part. À un moment donné, alors comment je fais déjà? Hop, je fais ça. Je plante. Nickel. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'arroser. Il faut attendre 11 minutes pour pouvoir arroser, je crois. On va se rapprocher un peu. Ce sera plus sympa. Ça, je vais le poser là. Donc, j'essaye de m'organiser un peu. Une matrice. Nanotransporteur. Ça, je m'en suis pas encore servi. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Faudra peut-être tester ça. Et j'ai des bouteilles vides en rab. On pourrait peut-être aller en remplir 2-3. Le transformateur, en vrai, il faut que je le mette là. Voilà. On a 6 quand même. 6. Non. Prends pas la tôle. Et du coup, les petites choses comme ça, voilà, je les mets là. On n'a plus grand chose, j'avoue. On verra ça. Je vais quand même aller remplir une ou deux bouteilles d'eau potable. Ensuite, je m'occupe de la bouffe. On doit également aujourd'hui améliorer, faire la cuisine roulante. C'est un des objectifs que je voulais faire. On doit construire un mini-robot, commencer l'expédition et construire le pont. Donc on a pas mal de choses à faire. Je vais aller remplir la bouteille d'eau. On va en remplir 4. Comme ça, il nous en reste 4 de vide pour faire d'autres choses. Et peut-être que... Ah oui, canne de fortune nécessaire. C'est vrai, j'ai pas pris la canne, donc on peut pas pêcher. Ah, quelle nouille!
Voilà, j'ai récolté un petit peu tout ce que il y avait à récolter. Donc je vais mettre tout ça ici. Il faudra que j'aille le ranger, bien entendu. Alors, on peut faire de la salade. Pourquoi pas, on va faire de la salade. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si je mets ça? Je crois que je peux rien faire en particulier. Peut-être que je pourrais faire de la confiture, non? Ah, prendre une nouvelle recette. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'il m'avait parlé de la confiture. Je croyais que je la savais déjà, mais non, la recette, je la connais pas. Ben ouais, mais... Pourquoi apprendre une autre recette? Ah, et peut-être que je la sais déjà, en fait. Attendez. Ah ouais, je la connais déjà. D'accord, il nous faut deux myrtilles. Et il nous faut... Ah ben oui, non mais... Si je mets pas des planches, ça va pas le faire. Ah, ça y est, je peux mettre de l'eau. Non? Ou alors c'est que ça pousse pas. Ça manque de soleil, donc ça pousse pas la nuit. Enfin, ça arrange pas mes affaires parce que elle tient à peine debout. Il faut que je fasse à manger. Ah quoi que j'ai fait la salade. J'ai cinq salades, ça pourrait le faire. Mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien faire ça. Voilà. Cuire le steak. Je peux faire de la soupe. Voilà, j'essaie de faire un petit peu tout ce que j'ai, ça me servira toujours. Voilà. Bouteille d'eau douce. Ah ouais? Ok. Ça c'est de la bouteille. Ah mais oui, voilà. Oui, c'est ça. Il me faut faire les bouteilles d'eau douce. Allez, on y va. Charbon, je sais pas trop. On va en faire deux. Et le reste, on peut pas faire. Bouteille d'eau potable. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Je ne sais pas. Si, on dirait que c'est de la nourriture en fait, hein, ça doit remonter un petit peu la nourriture. Ok. En tout cas, on va pas tout manger, ça c'est clair. Ça c'est plus 20, plus 25. Ok, ça je vais le remettre là pour l'instant. Soupe épicée aussi. On va manger que la salade. Le reste, c'est bon. Très bien, je la mange. Comme ça. Et donc, comme c'est la nuit, je vous propose qu'on aille faire un petit somme. Et on se retrouve demain matin. Voilà. On a assez dormi. On a bien assez dormi. Alors, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour faire la cuisine roulante, mais je ne sais pas comment on l'a fait. Trioto, tout ajouter, tout prendre, améliorer la structure. J'ai ça, il me faut le tuyau en métal. Voilà, comme ça on va améliorer ça. Alors, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Le charbon, c'est bon. Et trois bouteilles d'eau vide. Oh, mais j'en ai largement assez des bouteilles d'eau vide en fait. Ok, hop, je vais là et on améliore le feu de camp. Ah, j'ai pas assez de charbon. J'ai pas assez de barres en métal. Je risque pas d'y arriver comme ça. Vas-y, j'en fais un de plus. Là, normalement, c'est bon. Et il me faut 7 charbons. Est-ce que j'en ai quelque part? Non, j'en ai nulle part. Comment on fait le charbon? Ah, il faut une puissance de 20 pour le feu. Ok. Oh là là, la plante. Et voilà, du coup... Ah, trop nul. Elle a bousillé ma... plante, là. Ma salade. Dégoûté. Bon, je vais récupérer ça. On va faire du charbon en plus. Voilà. Normalement, j'ai ce qu'il faut maintenant pour améliorer la cuisine roulante. Allez, c'est parti, on y va. Yes! Ok, on n'a plus un simple feu de camp, on a vraiment une vraie cuisine roulante, quoi. Alors, si je vais dessus, qu'est-ce que ça change? Donc, déjà, il faut plus de combustible. Non, je sais pas. Ça, il y a des emplacements en plus, sûrement. La prochaine étape, ce sera la cuisine roulante avec grill. Très bien. Je suppose qu'on pourra débloquer des nouvelles recettes avec ça. En tout cas.
En tout cas, voilà, comme ça c'est fait. C'est nickel. Très bien. Donc, eux, ils veulent que je construise un mini-robot. Il faut que j'aille voir ce qu'il va me falloir pour faire le mini-robot. Hop, on ira mettre tout ça après. Oh, j'avais pas examiné ça. Si je me souviens bien, Stan, le collectionneur, vend des pièces de forêt. Avec ça, je pourrais améliorer mon forêt et démonter cette capsule. Ok. Très bien. Là, je peux extraire le liquide. Pourquoi pas? Donc on a toujours on a besoin pour certaines choses. Donc voilà. Du coup. Le mini-robot, voilà. Ils veulent que je fasse ça. J'aimerais bien pouvoir épingler ce que j'ai à faire, mais bon. Il me faut 5 pigments d'encre, 20 ferrailles, 20 plastiques et 5 papiers. Ici, je vais pouvoir. Ah, je vais pouvoir récupérer ça. Les feuilles de papier, mais il m'en manquera deux, je crois. Peut-être que je peux les fabriquer. En tout cas, ça, je peux le mettre là. Et alors, la substance noire, je me rappelle pas comment on l'a. Peut-être qu'on peut la faire. Bon, je vais prendre tout ça. Mais il va me manquer de la substance noire. Ok. Je vais déjà les mettre ben, ce que j'ai là. Module mini-robot. Je l'ai fait? Il me manquait de l'encre, donc ouais, mais on dirait que. Attendez, j'ai pas. Je comprends pas. Ah ouais, j'avais tout ce qu'il fallait, je crois. Et du coup, il est passé où mon module mini-robot? Ah, peut-être qu'il a été installé directement. Commencer l'expédition. Nouvelle tâche, inspecter le site crash aérien. Oh, bah du coup, voilà, on se lance dans l'aventure. Ok, ça fonctionne comme ça. D'accord, donc moi je suis là, le toit, donc c'est chez moi, et je peux aller, donc plage de détritus, abri abandonné, débris flottants, caisse de ravitaillement cassée, avion écrasé, c'est le truc où il faut que j'aille, je crois. Bazar d'Oscar et Stan le collectionneur. Voilà, c'est ça qui me parlait. Oh, c'est cool. Du coup, est-ce que je peux aller ici? Ok, on va. Bon bah du coup ce sera le thème de notre épisode, hein, l'avion abandonné, l'avion écrasé. On va chercher un petit peu ce qu'il y a ici. Par contre je me suis pas enlevé ce que j'avais sur moi, ça c'est un petit problème. Donc il faudra peut-être que j'y retourne plus tard, je sais pas. Voilà. Ah mais en fait c'est mon petit module là, le petit robot, le drone, voilà. Je pense que c'est un drone. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ça? Tu vois, ces fans casse-pieds qui ont anéanti la sécurité, tout ça pour s'approcher de Mary Kin, la diva rétro. Aurais-tu l'amabilité de m'en débarrasser, trésor? Ouais. Vois ça. Voilà toute la puissance de la musique, et c'est grâce à toi, trésor. Tu as été sensationnel, mais ce n'est pas poli de faire attendre les dames. Je suis coincée dans le cockpit. Viens me libérer, ma protectrice. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Non. Bon, on y va, alors on avance. Très bien, c'est quoi ça? Inspecter. Article du sujet de Mary Kin. À Cosmopolis, la passion ne meurt jamais. La fameuse star de l'écran et de la radio Mary Kin, la diva rétro, a de nouveau été vue au bras de l'incomparable. Information supprimée, bien sûr, on ne saura pas. Les rumeurs indiquant que la remarquable montée en puissance de Mary Kin serait uniquement due à l'intervention d'une certaine personne influente se multiplient. Ok. Remarquable. Ne s'appliquant pas aux chiffres d'audience de. Et on ne saura toujours pas, l'information est supprimée. Que nous sommes tristes d'annoncer comme étant. En chute libre. Est-ce la conséquence du penchant pour l'alcool de sa nouvelle compagne? Ou de sa nature provocatrice? On dit bien que la folie et le génie vont de pair. Nous espérons que, information supprimée, trouve la raison et mette fin à cette aventure et à la carrière de Mary Kin, si tout se passe bien. Ok. Ok, donc c'est une femme comme ça là avec un type. Unicorp News. Mais Ok. Ben, je peux rien y faire, quoi. Bon, on va aller dans le cockpit.
Tu ne pourras malheureusement pas entrer dans le co sans le code. Mes pauvres petits androïdes connaissaient la combinaison. Et c'est de les retrouver, s'ils ont survécu. Ah, c'est une voix dans le haut-parleur, ok, qui me dit ça. Alors, fais voir. Ah oui, il faut le code. Oh mince. Et ça? Inspecter. Donc, boarding pass. Vanderburg Cosmopolis. Le 6 septembre. Q8 421. Est-ce que c'est ça? Le code? Ah, on dirait, attendez, c'est quoi? 10, 10, 19? Peut-être ça. Non, je sais pas, je sais pas. Le voilà, le billet fétiche. Vous voyez les restes d'une sorte de code écrit au marqueur, avec 19. L'eau salée a malheureusement effacé une partie des numéros. Où peut bien se trouver la deuxième moitié de la combinaison? Bah, c'est peut-être 10, 19, hein, je sais pas. Il faut qu'on retienne 19. Ah, c'était peut-être sur la tablette. On va essayer un truc déjà. Non, c'est pas ça. Ça pourrait être n'importe quoi en fait. Et il n'y a rien d'autre quoi. 19. Ou alors 06, 19. Je sais pas. Je sais pas. 06, 19. Non, c'est pas ça. Alors, c'était peut-être là-dessus, hein. Peut-être que j'ai pas fait gaffe. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de chiffres. Non, il n'y a rien, hein, là-dessus. Ah, peut-être là, je l'avais pas inspecté, ça. Billet marqué. Où vous amènera ce billet? Un hôtel sur une côte ensoleillée? Ou une porte-avions militaire? Ou même dans une chasse à un trésor inexistant. Le billet est taché de bave, d'électroparasites recouvrant sa destination. On ne sait pas où il va. Mais on n'a pas non plus le début du code et on n'a pas non plus la destination. J'espère que je pourrai le retrouver quelque part. Bah, de toute façon, je ne peux rien faire de plus en fait, hein. Trouver le code du cockpit. Ah, je peux peut-être aller. Là, il y a plein de trucs à faire en fait. Attendez. Attendez, attendez. Si je reviens. Si je vais là, par exemple. Voilà. C'est quoi ça? Je vois rien. Pilote 1. Base Echo. Est-ce que vous me recevez, parasite? Ici l'avion de Marikin Brondo. Répondez. Nous prévoyons d'atterrir en urgence à Cosmopolis. Il y a eu un grondement. L'un des moteurs a pris feu. Un oiseau a dû être aspiré par la turbine. Un grondement à nouveau. Je n'y peux rien si ces piafs adorent foncer sur l'avion. Répondez-nous, avons-nous un incendie à bord? Nous perdons de l'altitude. Un atterrissage d'urgence sur l'eau semble être la seule solution viable. Ici le capitaine de l'avion. Nous allons descendre. Si les pilotes ont besoin d'aide, le code à quatre chiffres du cockpit est le 26 et le 19 qu'on avait. Cool. Oh non, c'est la panne, le serveur est HS, mais ce ne sont pas des oiseaux, ils s'accrochent au fuselage. Moins d'une minute avant l'atterrissage, le marqueur externe est à zéro. Ici l'avion de Marikin Brondo, pitié. Et après, il y en a des cris de passagers, etc. L'article sur l'immortalité numérique. Là, on va regarder ça. Donc 26-19, il hein, faudra se rappeler. Unicorp est fier d'annoncer la finalisation des tests de sa technologie de numérisation de conscience, un concept qui obsède les chercheurs depuis la naissance de la science elle-même et désormais officiellement réalisable. L'immortalité numérique pour tous. Notre honorable mairesse Robin, également directrice d'Unicorp, n'a aucun doute que la Fédération terrestre ne prendra pas de temps maintenant que les souvenirs peuvent être stockés éternellement sur une puce de la taille d'un paquet de chewing-gum. N'ayez crainte, si vous ne disposez pas de compétences nécessaires à l'humanité, l'argent fonctionne également. Suivez le lien et remplissez le formulaire pour réserver votre immortalité numérique. Vous aussi, contribuez à écrire l'histoire une bonne fois pour toutes. Donc en fait, c'est un peu ce qui est arrivé au... Si je comprends bien, c'est un peu ce qui est arrivé au frigo, en fait. Il a voulu l'immortalité numérique. Donc c'était une personne et il s'est fait transférer dans un frigo, quoi.
Voilà. Donc là, je crois qu'on a tout regardé. Donc j'ai dit que c'était 26, hein. J'ai quand même tout repassé vite fait. Ah merde, j'étais trop vite, je crois. Voilà. 26, voilà. 26, 19. Très bien. 26, 19. Ah, après toutes ces années, la guerrière va enfin sauver la princesse. Cool. Ouh! Je me rappelle le jour où la femme que j'aimais m'a fait entendre ce morceau pour la première fois. Ah, personne ne lui arrivait à la cheville. Elle était si robuste, si courageuse. C'est Marikin qui parle, hein. J'étais éperdument amoureuse de lui. Après notre rencontre, c'était comme si j'étais sortie d'un cauchemar interminable. Lors de notre séparation forcée, j'ai voulu devenir le jukebox qu'elle utilisait, pour qu'elle puisse m'avoir à ses côtés, comme autrefois. Mais te voilà, trésor. Je crois que je suis tombée de nouveau amoureuse. Viens, je vais t'envoyer un baiser numérique. J'aimerais bien te tirer d'affaire, mais on se connaît à peine. Tu ignores qui je suis? J'en conclus que tu ne m'as jamais vue. Je n'ai pas joué dans beaucoup de films récents, mais tu as dû m'entendre chanter au moins une fois. Je suis la diva rétro Marikin Brondo. Tu peux m'appeler Marie. Je parie que c'est la première fois qu'une star te demande de l'aide. Sors-moi de là, trésor. Je t'en supplie. Mes pauvres androïdes n'entendront plus jamais mes berceuses. Cela dit, je peux chanter une balade de jazz sur tes prouesses, ou juste mettre l'ambiance. Ce serait absolument inhumain de t'abandonner à ton sort. J'ai vu de quoi les électroparasites étaient capables. Je vais t'aider. Voilà, on est revenu avec Marikin. On va lui parler de suite. Trésor, cette plateforme de chargement ne convient pas du tout à une star de ma trempe. Tu pourrais me trouver une scène ou un petit coin sympathique près du bar pour que je l'inspire, pour que l'inspiration me gagne? Alors, déplacement des personnages. Pour déplacer les personnages sur le toit, sélectionnez un personnage depuis l'onglet dédié du menu de construction, puis choisissez un nouvel emplacement. Oh, c'est si simple que ça? Alors, Marikin. Alors, vas-y, on va la mettre près du bar ou je sais pas, on va la mettre en bas. Ou alors, je le mets à côté de son ami, là. Non? Franchement, là, c'est pas une bonne idée de la mettre là? Voilà. On va lui parler. Voilà, alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis bien contente d'avoir été délivrée par une héroïne aussi vaillante que toi, Trésor. Oh, je sais comment te remercier. Je vais t'offrir de l'argent, vois-tu? J'aime les personnes gentilles. Gentilles, pardon. Tiens, cadeau. Ce ne sont que des gribouillis sans intérêt pour moi, mais il paraît que ce plan servirait à construire une sorte de ferme. Oh, c'est trop bien! Tu savais que j'ai grandi dans une ferme? Eh oui, je nourrissais les poules, mais ce n'est pas ce genre de ferme dont il s'agit. Cette ferme-là sert à miner de l'argent. Oh, une ferme à minage me serait bien utile. Je sais exactement où je pourrais l'utiliser. Pièce. Merci Marie. Tu rembourseras ta dette un jour. Tu pourrais m'acheter un beau rétro-éclairage pour mon châssis délicat, par exemple. Yes! C'est trop bien. Est-ce qu'elle va dire autre chose? Ah, cet endroit me rappelle bien des choses. Promets-moi de ne pas te moquer, d'accord? Pendant un court instant, j'ai cru que tu étais une femme très importante de mon passé. Tu voudrais bien effectuer une requête un peu folle pour moi? Fais-toi une raie au milieu. Comme une aristocrate, j'aimerais vérifier une chose. Elle est sérieuse? Elle me fascinerait au milieu. C'est quoi ce délire? Je ne pensais pas avoir à me coiffer. Les cheveux d'aujourd'hui, mais ok. Je vais me servir de ce peigne. Quel peigne? Ah, on a obtenu un nouvel objet. Ok, elle veut que je me fasse une raie au milieu, donc elle veut que je me fasse ça. Ouais, je sais pas, je me dis qu'elle veut que je me fasse ça. Donc, j'ai plein de choses à faire. Aller voir Marikin avec une coupe d'aristocrate, construire une ferme à crypto, construire un mini-robot et construire le pont 3 sur 7. Ok, bon, là, l'épisode, il va être super long. Je pense que la découverte de cette nouvelle zone est déjà pas mal. Je vais récupérer de l'eau pour arroser ma plante. Voilà. On va faire ça. Je vais aller me faire la nouvelle coupe. Voilà, là c'est parfait.
Donc je vais ranger ça. Non. J'ai n'importe quoi. Ça, là, j'ai pas besoin. Ensuite. C'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? On va mettre ça. Et le papier. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, il faut que je range ça. L'ampoule, j'en ai besoin peut-être. Je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, ici, je vais ranger ça, ça. Ça, c'est fait. Je vais le laisser là-haut. Pas besoin pour l'instant ni de manger ni quoi que ce soit. Donc ça c'est fait. Je vais aller me changer donc la coupe. Ici. Donc elle veut que je me fasse ça. C'est moche. C'est moche, mais bon, elle veut ça. Alors je vais le faire, écoutez. Voilà. Et on va aller lui parler. Je ne me faisais pas d'idée, Robin. Je t'avais bien dit que nous nous reverrions un jour. Tu as dû l'oublier, ton visage reste inchangé, mais ton regard est différent. Comment ça, Robin? Attends, comment tu as dit que je m'appelais? Je pense que tu fais erreur, je ne me souviens vraiment de rien. Il y a très longtemps, tu étais la dirigeante Unicorp, Madame Robin. Nous nous sommes fréquentés et tu m'appelais Marie. Oh, j'adorais ta façon de me regarder. La femme qui dirigeait le monde me considérait comme une déesse. Donc la déesse Marikin. C'est drôle. Je t'aimais de tout mon âme. Dis-moi, trésor, est-ce que tu m'aimais encore? Bah, pff, en soi, je me rappelle pas de qui c'est. Donc, je peux pas dire oui que je l'aime encore. On va dire non. La vie est cruelle, n'est-ce pas? J'y suis habituée, mais le simple fait de te revoir me suffit amplement, ma chère Robin. J'ai quand même l'impression que tu te moques de moi. Je serai la femme la plus influente de Cosmopolis alors que je suis coincée ici. L'univers te réserve peut-être encore des choses, qui sait. Donc, en fait, ce serait la dirigeante d'Unicorp. D'accord. Ok, on en apprend un petit peu plus sur elle. Après, à voir si c'est vraiment vrai, mais voilà. Donc, on a fait un objectif, on a été visiter. On a été, comment dire, visiter l'avion écrasé. Je pense que c'est vraiment pas mal pour aujourd'hui, ce qu'on a fait. Donc, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est que je construirai une ferme à crypto et j'essaierai de construire le mini-robot. Et bah, si on peut, on avancera bien sûr le pont un petit peu. Hein. Voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de rejouer au jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Moi, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'aimerais bien avoir des petits retours. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure sur I Am Future. Bye!